terre, donc il a pris, il a été directement chercher le téléphone pour appeler le 17. Aux alentours de 23h, on reçoit l'appel d'un enfant qui nous annonce « Mon papa est mort. Je crois que mon papa est mort. Il fait des bulles par la bouche. » Donc aussitôt, mon collègue maintient le contact et commence à lui poser des questions. Cet enfant ne savait pas où il habitait, il ne connaissait pas son nom de famille. Donc de là, il a commencé à poser des questions. On a créé un lien, on l'a maintenu parce qu'on savait qu'il ne fallait pas le rompre de peur de le perdre. Avec les différents appels, pendant que mon collègue le maintenait au téléphone, moi, de mon côté, j'ai engagé les moyens, les patrouilles, en disant, voilà, l'enfant savait qu'il habitait sur Vlot-la-Ferrière. C'est tout ce qu'on savait.